Je donne donc maintenant la parole à Florence Lebars et Luca Di Franco pour leur communication intitulée De Milan à Carlo Bonucci, 1816-1870, construction du regard sur les contextes funéraires classiques et hellénistiques des Pouilles à travers la documentation graphique et archivistique. Buongiorno a tutti, inizio con un ringraziamento per gli organizzatori per aver condiviso la nostra proposta e per questo interessante e denso convegno. Inizio subito senza perdere tempo. E, alla fine del Settecento la pubblicazione dell'abate de Senon e le rendicontazioni di altri viaggiatori nel regno delle due Sicilie sottolineano già agli occhi degli antiquari. Non si sente. Ah, non si sente? Mi avvicino che c'è un po' d'acqua qui. Alla fine del Settecento la pubblicazione dell'abate de Senon e le rendicontazioni di altri viaggiatori nel regno delle due Sicilie sottolineano già agli occhi degli antiquari europei tutta la ricchezza archeologica della Puglia. Ma solo i primi decenni del secolo successivo permetteranno di prenderne piena misura. In questa comunicazione vogliamo soffermarci sul caso di Canosa e sulla scoperta, a partire dai primi dell'Ottocento, degli ipogei di età tardoclassica ed ellenistica, con abbondante corredo di ceramica figurata, bronzi e ori. In effetti, Canosa appare nella documentazione archivistica e archeologica come un vero e proprio laboratorio della sedimentazione dello sguardo sul contesto. Le comunicazioni che hanno preceduto la nostra, in queste giornate dense del convegno Facsimile, hanno consentito di seguire, attraverso i vari casi studiati, una storia della costruzione della conoscenza sull'antico. La documentazione grafica della prima metà dell'Ottocento, riunita sugli ipogei di Canosa, ci consente di sottolineare nuovamente questo processo sotto un duplice aspetto. Da un lato, l'importanza della scoperta della Magna Grecia. Attraverso lo scavo degli ipogei emerge già all'inizio dell'Ottocento la consapevolezza di una ricca civiltà di matrice indigena con forti elementi culturali di impronta greca, antecedente quindi alla dominazione romana. Non a caso Bonucci, vedremo dopo, parla di una Pompei greca a proposito di Canosa. Dall'altro lato, la rendicontazione del corredo in contesto. Al contrario di quanto succede negli stessi anni a Nola e a Pestum, gli ipogei canosini sono considerati sia come contenuto sia come contenitore. L'attenzione si pone non solo sul corredo, ma anche sulla struttura architettonica, che viene attentamente descritta e diventa oggetto di studio e di rilievo. Attraverso un panorama delle fonti archivistiche, in parte pubblicate e in parte ancora inedite, vogliamo, è nostra intenzione, sottolineare l'evoluzione della sensibilità verso la dimensione storica del dato archeologico e l'affermazione di una metodologia più sistematica nella documentazione. Ai due estremi cronologici del nostro studio dominano la figura pionieristica di Aubin-Louis Millin, direttore del Cabinet des Médailles di Parigi, e quella più controversa, ma non meno lungimirante, dell'architetto Carlo Bonucci. La documentazione grafica elaborata sugli ipogei canosini da questi due studiosi consente oggi non solo di ricostruire in parte i contesti andati perduti, ma anche di ripercorrere il processo cognitivo ottocentesco delle strutture funerarie antiche e del loro corredo. A
Alors, commençons par parler de Milan. Vous verrez que cette communication est à la fois double, bilingue, et on va se repasser la balle plusieurs fois. Donc, commençons par les premières découvertes avec la publication de Milan en 1816. On est à la fin de l'été 1813, sur la colline de Canosa que vous avez vue tout à l'heure sur la planche publiée dans Saint-Nom, dans la province de Bari, donc, et le propriétaire terrien Sabino Monterisi commence des travaux d'agrandissement dans un champ de sa propriété, soi-disant d'une citerne. En faisant creuser le tuf, il découvre une chambre funéraire intacte avec son mobilier. La nouvelle de la découverte se répand bien vite et arrive aux oreilles de Giuseppe Pilzi, qui est chargé par Michele Arditi, le directeur du musée royal et des fouilles du royaume de Naples, de veiller justement à la conservation des biens archéologiques sur le territoire de Bari. Donc Pilzi se rend sur place dans le courant du mois de septembre 1813 et donne une première et précieuse description de l'hypogée dans un rapport à Arditi. Nous conservons justement la transcription de ce rapport transmis par Arditi à Giuseppe Zurlo, qui est alors le ministre de l'Intérieur et qui est également chargé des questions archéologiques. Et ce ministre donc le transmet à son tour à la reine Caroline Murat. La description de Pilzi nous indique plusieurs éléments fondamentaux. Tout d'abord, la position couchée sur le dos du défunt, déposée sur une banquette creusée dans la roche. Or, à l'entrée des fouilleurs, eh bien, le cadavre se délite tout de suite avec l'arrivée de l'air. Pour ça que ce témoignage oculaire est particulièrement précieux. Il nous apprend également la présence d'une statuette en bronze qui disparaît des inventaires dès les descriptions suivantes, et enfin l'absence apparente de peinture sur les éléments architecturaux. Bien que le mobilier funéraire ait été dans un premier temps dispersé par ses inventeurs, le zèle de l'inspecteur Pilzi et la volonté aussi de la reine Caroline Murat permettent de reconstituer la tombe et son mobilier dans le musée personnel que la reine a aménagé au cœur de ses appartements du Palais Royal à Naples. Dès l'annonce en effet de la découverte, la reine s'est passionnée pour cette hypogée Monterisi et veut se procurer l'ensemble du mobilier. Donc, par l'intermédiaire de Pilzi, mais aussi par d'autres agents locaux et par l'intermédiaire surtout de l'intendant de la province de Bari, Caroline Murat va parvenir à réunir tout le mobilier, tout le matériel du tombeau pour le placer à l'intérieur d'un modèle d'hypogée grandeur nature au sein de son musée personnel. La reine pousse même le détail jusqu'à placer à l'intérieur du tombeau un squelette antique qui est pris à une tombe de la nécropole découverte donc sur la montée de Santa Teresa degli Scalzi derrière le palais des études, derrière l'actuel musée archéologique de Naples. Et vous voyez donc ici un modèle en liège qui se trouve justement conservé au Johnson's Museum à Londres, et qui représente en petit ce qui pouvait être reconstitué à l'intérieur du musée de la reine, avec quelques différences bien sûr. Alors vous voyez, cette reconstitution cède quelque peu au goût romantique pour le macabre de l'époque, mais elle frappe surtout par sa volonté philologique. La reine a mis en effet la même énergie à retrouver la vaisselle à vernis noir de l'hypogée et les grands vases figurés dont on peut reconstituer ici la présence encore dans la maquette du musée Johnson's. On peut se demander donc d'où provient cette attention reconstructive pionnière. La nature et l'importance de la découverte garantissaient aux pièces majeures du mobilier, en gros cratère, une place de choix certainement dans les collections de la reine. Mais le caractère inédit de la structure funéraire, qui ne trouvait alors aucun élément de comparaison directe dans le royaume de Naples et encore finalement bien peu dans les nécropoles étrusques de Toscane, a sans aucun doute joué un rôle catalysant dans la volonté de documenter et de restituer l'ensemble du contexte funéraire, c'est-à-dire l'ensemble, le contenant et le conteneur. Michele Arditi, mais aussi Giuseppe Zurlo, ont dû souligner cette nouveauté et son importance historique auprès de la reine Caroline Murat, mais il est à considérer aussi une troisième voie, celle du savant français Aubin-Louis Milin.
En effet, en cette même année 1813, Aubin-Louis Milhain, donc le directeur du cabinet des médailles de Paris, vient d'achever un voyage de près de 2 années en Italie, au cours duquel il a longuement séjourné dans le royaume de Naples. Il s'est d'ailleurs lui-même rendu à Canosa au mois de janvier 1812 et y a effectué des fouilles dans une partie de la nécropole hellénistique. Sans résultat, hélas pour lui. Alors qu'il est sur la route du retour vers la France, ses correspondants lui signalent la découverte de l'hypogée Montérisis. Soucieux de compléter la documentation réunie pour illustrer son immense voyage en Italie qui, en fait, ne verra jamais le jour, Milhain charge ses dessinateurs restés à Naples, au premier rang desquels Sternal, dont on reparlera, il les charge donc de faire les relevés des vases figurés et des armes qui sont arrivées entre-temps donc, dans le musée personnel de Caroline Murat. Comprenant toute l'importance et la nouveauté de la découverte, Milhain envisage aussitôt de la publier dans son intégralité, accordant une place, une importance presque égale à la structure architecturale et au mobilier. Les tombeaux de Canosa, donc, paraissent à Paris en 1816, richement illustrés, de planches en couleur, comme vous allez pouvoir le voir. Milhain a donc manqué de quelques mois seulement l'arrivée du mobilier de l'hypogée à Naples, mais en s'appuyant sur le large réseau de correspondants locaux qu'il avait établi avant même son départ pour l'Italie, Milhain parvient à se faire décrire par un témoin oculaire le site et la fouille de l'hypogée. Les archives d'État de Bari conservent ainsi le brouillon du compte-rendu envoyé à Milhain par le chanoine de Conversano et la description minutieuse de la tombe et de son architecture s'accompagne justement de quelques croquis. Ce sont ces dessins qui vont servir à établir les premières planches de la publication de Milhain en 1816 que vous avez sous les yeux. Ils sont d'une importance d'autant plus cruciale que l'hypogée n'a été que très peu étudiée et publiée entre le 19e et le 20e siècle. Seul Narod, en fait, en 1914, va marquer un jalon dans l'étape de cette étude. Et depuis la découverte, eh bien, l'entrée s'est effondrée sur le dromos, rendant presque impossible la lecture du fronton. Donc les croquis du chanoine de Conversano, les planches qu'en a tirées Milhain et une reprise de la façade par Bonucci, dont on va reparler tout à l'heure, sont les seuls témoins finalement de cette architecture aujourd'hui effondrée. Notamment, le motif sculpté au-dessus de la façade de l'entrée est interprété comme une lyre par le chanoine et suivi en cela par les autres commentateurs, donc Milhain et Bonucci en tête. Il n'est donc plus lisible aujourd'hui, comme vous l'avez vu. Cependant, à la lumière des découvertes plus récentes à Canosa, dans la région, et puis sur une échelle plus large dans les autres hypogées de datation similaire, ce motif de lyre apparaît comme complètement inusuel, à cet emplacement en tout cas. Les deux S affrontés prennent en revanche beaucoup plus de sens si l'on restitue en leur centre, tout autour, un cœur de palmettes et ses pétales. Et je suis particulièrement heureuse que Agnès Rouvray soit là, puisqu'elle a été témoin et déclencheur de cette épiphanie lors de l'exposition sur la Macédoine, où nous nous sommes retrouvés devant la vitrine qui contenait justement ce fronton qui provient de Dervény, donc en Macédoine, et qui nous a permis de comprendre tout à coup ce que étaient ces deux S affrontés, qui n'est pas du tout une lyre, mais comme vous voyez, donc les bases de la palmette. Alors, je ne m'attarde pas ici, parce que ce n'est pas le lieu, sur les bas-reliefs et l'interprétation qu'en a donné Milhain à travers ces planches, mais je voudrais souligner la marge d'interprétation justement de ces figures par rapport aux originaux. Il s'agit ici en fait plus d'une restitution que d'une documentation de l'état existant. Cette volonté de publier non pas un état, mais déjà une vision restituée au prisme des connaissances érudites sur l'Antiquité montre bien la hiérarchisation texte-image pour Milhain. L'objet sert bien de support au texte qui s'en nourrit, mais qui en retour permet d'affiner le regard en enrichissant l'image de détails restitués. L'intention est donc ici de livrer l'interprétation
avec l'image. Milin conçoit ainsi son ouvrage comme un état définitif, ou du moins comme un état de référence de la connaissance sur le contexte de l'hypogée. Cette intention se retrouve d'ailleurs dans les planches des armes. Alors, pardon, je passe rapidement sur les parallèles qu'on peut établir, sur les armes donc, qui sont encore aujourd'hui conservées au Man. Je passe rapidement sur le ceinturon et le prometopidion. Et cette même volonté, disons, se retrouve bien sûr sur les planches consacrées aux vases figurés, qui constituent bien sûr l'élément le plus spectaculaire du mobilier de l'hypogée Montérésie, et la, dont Milin donc, donne la part belle dans sa publication. Comme vous le voyez sur la planche d'ensemble, le cratère éponyme du peintre de Sisyphe, aujourd'hui à Munich, est absent. De la planche. En revanche, il y a bien les deux cratères involutes que nous allons voir tout à l'heure, qui sont également conservés à Munich. Ce vase du peintre de Sisyphe a en effet rejoint le reste du mobilier au sein de la collection de la reine, donc seulement en un second moment, puisqu'il a subi un passage un petit peu scabreux à travers plusieurs ventes sur le marché napolitain. Il a été d'ailleurs brièvement aux mains d'Andrea de Iorio, qui s'est fait pincer en quelque sorte par Michele Arditi, et qui donc a généreusement offert le vase, bien sûr, à Caroline Murat. Pour en revenir aux œuvres présentées dans les planches de la publication de Milin, parue en 1816, les formes des vases sont rappelées donc uniquement sur la planche de présentation générale, tandis que les autres planches montrent pleine page les scènes figurées présentées comme des tableaux. L'attention est alors portée sur les rehauts, vous voyez la polychromie d'ensemble, mais aucunement sur la distribution spatiale des scènes et d'ailleurs les détails. Alors, je vais passer rapidement, puisque vous voyez le parallèle avec le cratère à volute, donc aujourd'hui attribué au peintre des Enfers et qui se trouve à Munich. Et les détails du col, enfin de ces deux cratères, sont reproduits pleine page, là encore, sur des planches à part entière, comme cela est d'ailleurs le cas pour d'autres vases dessinés à Naples par Milin et restés inédits. Alors, à travers ces planches, vous voyez donc l'usage que Milin fait de la couleur, ou plutôt que son dessinateur fait de la couleur. Il s'agit de faire une publication richement illustrée, mais qui a aussi également une volonté d'attirer l'œil, une richesse d'illustration qui va permettre justement aussi d'entrer dans les arguments un peu commerciaux de cette publication. En effet, la publication de Milin, seulement 3 ans après la découverte de l'hypogée, est un ouvrage conçu pour documenter, bien sûr, le caractère inédit de cette structure funéraire et marquer d'une sorte de saut la primeur des hypothèses avancées par Milin dans l'interprétation de son mobilier. Et la hâte de Milin, mais aussi sa volonté de réaliser une publication somme toute luxueuse avec ses planches en couleur, s'explique en partie par la concurrence éditoriale d'autres entreprises contemporaines, au premier rang desquelles se trouve celle de James Millingen. Trahi en effet par Sternal, son dessinateur napolitain, Milin a eu le déplaisir quelques années auparavant de voir publier par James Millingen des dessins de vases des collections de la reine de Naples, qu'il avait justement commandé pour son voyage en Italie et que le dessinateur a vendu 2 fois, en fait. Échaudé par cette expérience et sachant qu'il tenait là une découverte de première importance, Milin prend donc sa revanche avec les tombeaux de Canosa. C'est peut-être cette hâte qui explique justement les nombreuses inexactitudes qu'un simple échange avec ses correspondants locaux aurait pu dissiper, et tandis qu'il aurait pu aussi, en prenant un peu plus de temps, compléter le mobilier par de nouveaux dessins. Les tombeaux de Canosa vont donc, malgré cela, connaître une certaine fortune éditoriale et rester les seuls témoins visuels de ces hypogées doniens jusqu'aux années 1850 et à la documentation graphique entreprise par Bonucci. Allora, dopo
dopo queste prime scoperte di Canosa, che potremmo dire appunto episodiche e sporadiche, non solo quelle dell'ipogeo Monterisi Signoli, ma anche quello dell'ipogeo Barbarossa, che soltanto velocemente parleremo, di cui soltanto velocemente parleremo, negli anni 40 e 50 dell'Ottocento le necropoli di Canosa furono sempre più, divennero sempre più al centro dell'attenzione da parte della Corona. La ricerca archeologica risente ora, in questo periodo, dei mutati assetti istituzionali e legislativi, ma anche di un interesse del tutto rinnovato verso l'architettura, la documentazione grafica, l'analisi storica. Un intricato intreccio di vicende, al limite dell'inchiesta giudiziaria, induce gli ufficiali della soprintendenza agli scavi non solo al recupero dei reperti mobili, fino a quel tempo unico interesse per l'arricchimento delle collezioni reali, ma soprattutto a un'azione rivolta alla salvaguardia dei contesti da cui essi provengono, sia per il rapporto tra corredo e tomba, sia per l'intrinseco valore del monumento funerario. Protagonista indiscusso di questi anni nel panorama archeologico del Regno delle Due Sicilie è Carlo Bonucci, il cui profilo privato e professionale emerge con sempre maggiore chiarezza grazie ai recenti studi. Entrambi questi aspetti, quindi quello privato e professionale, sono arricchiti da un'ingente quantità di documenti d'archivio che costituiscono oggi il Fondo Carlo Bonucci presso il Centro Capense Ignazio Cerio di Capri, in breve qui analizzato. Funzionario di lungo corso presso lo Stato borbonico, Carlo Bonucci si è ritirato a Capri, appunto, in un progressivo isolamento a partire dal 1850, dopo essere stato sollevato dagli incarichi di architetto locale degli scavi, nonostante lui si definisse in realtà ancora architetto direttore, nel 1849, e da quello di direttore degli scavi dell'anfiteatro di Pozzuoli nel 1848, mantenendo in pratica soltanto l'incarico a Ercolano, cui seguì infine il precoce pensionamento nel 1861. Bonucci era comproprietario del Palazzo Cerio a Capri, in virtù della parentela della moglie con l'insigne famiglia caprese. Spentosi sull'isola il 28 settembre 1870, l'architetto lasciò nel palazzo tutti i suoi averi, i quali entrarono quindi in possesso di Ignazio Cerio e quindi sono oggi in parte consultabili. Il fondo è costituito dalle carte private dell'architetto, consistenti in numerosissime lettere e praticamente tutte pubblicate di recente, e in appunti relativi a studi, ricerche o viaggi compiuti nel corso degli anni di attività presso la soprintendenza di Napoli, ma anche dopo la sua attività. Oltre a documenti su Capri, che appunto sono stati editi sempre all'interno di questo volume nel 2019 a cura di Rossella Iovinella, c'è una grossa parte riguardante Pompei, interamente inedita, e una parte riguardante invece, una grande parte riguardante la Puglia, che è parimenti totalmente inedita. Si possono sfogliare appunti sugli scavi di Egnazia, Ruvo, Taranto, Ceglie del Campo, Altamura, arricchiti da schizzi planimetrici o di oggetti. Qui vi ho mostrato una carrellata di questi documenti, tra cui quello più interessante forse al centro come categoria è quella degli schizzi planimetrici delle tombe di Altamura, in questo caso di Altamura, ma c'è anche Ceglie del Campo e altre necropoli importanti pugliesi. Molte carte però riguardano siti o monumenti medievali, quali la cattedrale di San Nicola a Bari, oggetto di un vero e proprio trattatello in linea con gli interessi che Bonucci manifestò nel corso degli ultimi anni di vita. Questi dati furono raccolti con ogni probabilità nei suoi viaggi in Puglia, in particolare quello del 1853, di cui si accennerà a breve e dei quali egli raccontò in un'operetta, mai edita completamente, ma ugualmente conservata in forma manoscritta nel fondo caprese. Tra questa grande messa di dati archeologici emerge tuttavia per rilevanza e dimensioni il sito di Canosa. Compaiono su di esse varie citazioni negli appunti, diremmo, di viaggio, ed è presente inoltre un documento raccolto in una camicia, in realtà due documenti, raccolti in una camicia sulla quale è scritto Canosa 1843, dal 1843 al 53, seguita da una sorta di frontespizio con scritto Canosa dal 1843 al 53, riassunto finale e disegni.
che qui vedete. Si tratta di un lungo ed esauriente resoconto degli scavi intrapresi nella città d'Aunia, in particolare gli ipogei La Grasta 1 e 2, con alcuni accenni ad altri sepolcri, identificabili oggi nell'ipogeo Barbarossa e in quello del Vaso di Dario, oltre a una ripresa del Milan che abbiamo visto precedentemente per l'ipogeo Monterisi e Signoli. Per comprendere appieno l'importanza della documentazione e l'interrelazione tra la descrizione e le fonti grafiche, appare significativo ripercorrere molto brevemente le vicende che condussero alla scoperta degli ipogei già compendiariamente edite da Andrea Milanese in due occasioni. Il 18 dicembre 1843 Vito La Grasta, proprietario di un ampio terreno a Canosa, scopre una tomba ipogeica che da lui prese il nome. Probabilmente pare fortuitamente durante uno scavo volto alla creazione di una fossa per il fieno. In realtà la presenza tra gli operai dei Capolongo, noti tombaroli della zona, indurrebbe a ritenere le operazioni del contadino finalizzate piuttosto alla ricerca di antichità da rivendere sul mercato antiquario. Infatti i materiali dei primi parziali scavi vengono dispersi tra diversi antiquari, tra cui emerge la figura del canonico Giuseppe Basta, tesoriere della cattedrale di Canosa e noto trafficante di antichità, tra l'altro anche custode del monumento di Boemondo che Bonucci più volte ha rappresentato, ma anche Donato Fratelli, Raffaele Barone e poi da questi questi materiali circoleranno, come ben noto a tutti, in tutta Europa. La notizia del rinvenimento giunge però alle orecchie dell'ispettore locale alle antichità, l'arcidiacono Michele Caracciolo, circa un mese dopo, il quale riuscì a recuperare una parte dei reperti dopo la confessione del La Grasta. Essi furono confiscati poiché al rinvenimento fortuito era seguita la vendita, senza che fosse data comunicazione alla soprintendenza, la quale poteva esercitare l'opzione di acquisto. Nel frattempo Caracciolo, insieme a un giovane Gerardo Sirone, intraprende scavi per conto della corona all'interno dell'ipogeo, rivelandone l'estensione completa documentata da una pianta a firma proprio di Sirone e inviata a Napoli e oggi conservata all'archivio di Stato. In una nota di Sirone si dà conto delle camere scavate da lui e dei materiali ivi rinvenuti, ma si elencano anche gli oggetti in possesso del canonico Basta, quindi una prima inchiesta già era stata fatta. Dal momento che i materiali del primo scavo erano in buona parte ancora sul mercato antiquario, nel dicembre 1844 il ministro Nicola Sant'Angelo e il soprintendente Francesco Maria Avellino decidono di inviare l'architetto di Pompei, Carlo Bonucci, con il compito di relazionare sul contesto, rintracciare i reperti dispersi e punire i responsabili. La punizione, tra l'altro, dei responsabili è un elemento abbastanza ricorrente poi nel carteggio. L'architetto invia tre relazioni alquanto contraddittorie nel corso di pochi mesi, nelle quali sembra comunque emergere una difesa dei protagonisti della vicenda, a partire da Vito La Grasta. Ad ogni modo, altri elementi del corredo furono recuperati grazie a Caracciolo, Sironi e all'intendente della provincia di Terra di Bari, Winspear. In realtà, da questo momento, si apre una vera e propria querelle sulla legittimità dell'operato dei protagonisti. Da un lato il soprintendente si mostrava fermo e convinto sostenitore della legalità espressa nei decreti 13 e 14 maggio 1822, per cui si disponeva la confisca dei beni illecitamente scavati. Dall'altro era la richiesta dell'intendente, accolta poi tra l'altro dal ministro Sant'Angelo, anche lui, famoso collezionista, di offrire in vendita i reperti da lui a sua volta acquistati sul mercato antiquario. Nel frattempo, però, durante la permanenza in Puglia, Bonucci provvede a iniziare gli scavi di un secondo ipogeo, posto nelle immediate vicinanze del primo, noto poi con il nome di La Grasta II. In questa vicenda non è esente da accuse e da un aperto scontro con il suo diretto superiore, Carlo Bonucci. Per quanto da più parti oggetto di valutazioni su un operato, diremmo, poco cristallino, la condanna di Bonucci da parte del soprintendente Avellino risente di un rapporto che tra i due era fortemente conflittuale, già manifestato ai tempi delle operazioni dell'architetto nei campi Flegrei e con l'accusa grave da parte di Avellino di aver venduto parte dei rinvenimenti ivi avvenuti, poi successivamente esacerbata dalle dispute interne che videro Bonucci contro il giovane Fiorelli.
Carlo Bonucci tornerà in Puglia nel corso dell'autunno 1853, dopo essere stato probabilmente in Grecia. Abbiamo tutte le tappe, tra l'altro, di questo viaggio, anche le rendicontazioni delle spese, di parte delle spese. Grazie alle carte, appunto, del Fondo Carlo Bonucci del Centro Caprense, si può oggi avere un quadro più completo del suo viaggio, scaturito probabilmente dalla volontà di scrivere un'opera monografica sugli scavi di Puglia e in particolare di Canosa. L'architetto diede infatti notizia dei suoi sopralluoghi, più nello specifico su Canosa, in diversi numeri del Polerama Pittoresco nel 1854 e affidò alcuni dati e due incisioni che vedete degli ipogei della Grafta alla penna di Henry Breford, corrispondente del Times, sicuramente conosciuto a Capri, dove l'inglese soggiornava e collezionava a sua volta antichità. Di quest'opera, rimasta incompiuta, l'opera di Bonucci rimasta incompiuta, un'altra traccia esiste in un anonimo articolo comparso nel 1939 sulla Gazzetta del Mezzogiorno, in un articolo non firmato, anonimo, firmato con la lettera S. La volontà dell'architetto di fare una vera e propria opera monografica traspare poi anche dalle lettere al Duca de Luynes. Inizialmente nel 1854, quindi in una fase precoce, in una lettera ancora inedita, e poi nelle lettere già edite da Iovinella tra 1857 e 61, in cui si dà conto di aggiornamenti e osservazioni, tra l'altro arricchite dal ritrovamento segnalato dal Duca a Parigi di una delle corone provenienti dalla tomba. D'altronde, le scoperte degli ipogei della Grafta di Canosa, sia dei vasi sia del monumento, avevano destato un grande interesse nella comunità internazionale. Dopo una prima pubblicazione della Viola nel 1848, con indicazioni anche della composizione dei corredi, seguono le ipotesi ricostruttive di Edward Gerard nel 1857, che si ispirano ovviamente ai disegni di Bonucci, e lo stesso Gerard era in contatto appunto con Bonucci, e poi gli splendidi acquerelli di Prosper Biardot, che nel 1872 pubblica una sorta di prima edizione del corredo della Grafta 1, di cui egli aveva acquistato 25 vasi della stanza 1 proprio a Canosa. Questi primi studi mostrano un immediato interesse verso il contesto architettonico e archeologico, che generano persino disquisizioni sul carattere funerario delle immagini, in una lettura del tutto nuova per l'epoca, in altre opere contemporanee. Nell'ottobre 1853 il soprintendente principe di San Giorgio, il nuovo soprintendente, scrive a Bonucci, su autorizzazione del ministro principe di Bisignano, di recarsi presso gli ipogei, la Grafta, e di realizzare una precisa descrizione sia del monumento sia dei reperti vi rinvenuti. Nel frattempo Bonucci stava evidentemente indagando, Bonucci si trovava in quel momento in Puglia in licenza, non in un viaggio ufficiale, stava indagando ancora sui materiali rinvenuti nel 1844 e che in parte erano detenuti dal canonico Basta, con il quale tra l'altro Bonucci entra in stretti rapporti. Con quest'ultimo si recherà nella tomba nell'ottobre 1853, come lo stesso Bonucci racconta anche al soprintendente il 16 novembre, una volta tornato nella capitale. In tale circostanza Bonucci redige un lungo, esauriente e dettagliato resoconto di tutto ciò che è avvenuto a Canosa, in particolar modo nell'ipogeo La Grafta 1. Il testo funge però da descrizione di corredo a 5 tavole che costituiscono piante, sezioni e prospetti delle tombe, nelle quali egli dà preciso resoconto di ogni oggetto rinvenuto, anche di tracce, che forniscono all'architetto lo spunto di riflessione per una più precisa ricostruzione del contesto. Tale relazione, probabilmente, doveva essere inviata al soprintendente il 22 dicembre 1853, poiché è presente una nota di accompagnamento nell'archivio del Museo di Napoli, ma è assente qui la descrizione, come anche in archivio di Stato. Il documento si rintraccia oggi, invece, nel fondo Carlo Bonucci di Capri, in una forma probabilmente non definitiva. Sono presenti, è quello che vedete qui, in una forma probabilmente non definitiva. Sono presenti alcune correzioni, mancano inoltre il destinatario e il mittente.
Dal momento che il documento era contenuto nella summenzionata camicia, insieme ad altre carte riguardanti Canosa, è presumibile pensare che esso fosse la fonte documentaria principale alla quale il Bonucci intendesse attingere per la redazione della sua opera monografica su Canosa, almeno relativamente agli ipogei La Grasta. Non si vuole in questa sede entrare ovviamente nel merito di tutte le singole parti di questo ricchissimo documento e degli altri, cui si spera di dare spazio nella pubblicazione degli atti, con una particolare attenzione ovviamente al possibile riconoscimento anche di alcuni oggetti descritti da Bonucci e riconoscibili nelle collezioni museali europee. Un aspetto però meritevole di attenzione e di rimente ai fini di una più precisa ricostruzione storica è la possibile fedeltà del testo bonucciano. In più occasioni è stato sottolineato come l'architetto napoletano tendesse a inventare contesti e il caso dell'ipogeo La Grasta 1 ha costituito una possibile, evidente prova. Egli infatti arrivò a Canosa nel 1844, quando lo scavo era già stato intrapreso, senza possibilità di visionare di persona la precisa posizione dei reperti rinvenuti. Tuttavia, a possibile difesa dell'operato del funzionario statale, vi è la testimonianza degli attori protagonisti del primo, parziale, bene ricordarlo, perché il primo scavo della Grasta interessava soltanto forse due camere, non tutte le tante camere dell'ipogeo, scavo appunto dell'ipogeo da parte di Vito La Grasta. Il Bonucci ebbe tempo nel 1853, durante il suo viaggio privato, di indagare a fondo e di intrattenere rapporti con il canonico Basta, ma anche con i proprietari e con gli altri personaggi coinvolti, quali Caracciolo e Fironi, che continuarono le indagini. Inoltre, già nel 1944, come riporta l'architetto, erano in mio possesso, cito, erano in mio possesso tutte le notizie, i notamenti e i disegni di quelle memorabili scoperte. Quindi lui aveva questi documenti conservati privatamente, anzi più volte dice anche che quelli invece ufficiali erano stati rubati dall'archivio della sovrintendenza. Il resoconto di Bonucci appare quindi, seppur ipotetico, sicuramente da tenere indiscutibilmente in considerazione. Il testo invece del polirama pittoresco del 1854 va inserito in una cornice del tutto diversa. Il giornale aveva uno scopo più propriamente divulgativo, diremmo oggi, ed era concesso spingersi a interpretazioni meno accurate, a differenza del resoconto del 1853 che, a un'attenta lettura, appare appunto rigoroso e metodologicamente corretto, in linea con i suoi interessi di studio testimoniati, tra l'altro, da anni di rapporti con l'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma. Il documento grafico che purtroppo oggi è perduto più importante è costituito dalla tavola 1, che costituiva la pianta redatta da Bonucci, che appunto l'architetto numera con delle lettere per indicare le camere, al cui interno inserisce ed elenca, mediante dei numeri arabi, tutti i singoli ritrovamenti. L'importanza del documento è data, tra le altre cose, dal riconoscimento dei vasi tra quelli allora conservati nel Real Museo oppure nelle case dei privati, ne cita diversi. In un caso Bonucci fornisce anche un utile e interessante disegno, uno schizzo ovviamente, ritraente un orecchino in oro. Possono essere parte di questa documentazione, non sappiamo se quella del 20 ottobre, perché comunque Bonucci produsse diversi documenti cartografici, una pianta, due prospetti e una sezione visti e documentati da Macchioro nel 1911 al Museo Archeologico di Napoli, passati un po' sotto traccia questi disegni pubblicati da Macchioro e oggi, che oggi non riusciamo a rintracciare più. Sul finire del 1853 il funzionario napoletano è nuovamente incaricato di recarsi a Canosa, pure nel documento caprese, come nelle lettere ufficiali, si menziona un altro ipogeo trovato nel 1851 vicino alla porta Parvese, dal quale furono recuperati dei vasi confluiti anch'essi in casa del canonico Basta. Si tratta dell'ipogeo divenuto poi famoso con il nome di vaso di pittore di Dario.
In questa occasione Bonucci redige un nuovo resoconto, meno dettagliato, su tutti gli ipogei canosini riassunti in 5 tavole, firmate da Carlo come direttore e dal figlio Antonio Raffaele come quale disegnatore, inviate al soprintendente il 24 febbraio 1855 e ritrovate nel gabinetto di stampe e disegni del Museo di Capodimonte circa 25 anni fa in occasione della mostra I Greci in Occidente, di cui abbiamo provveduto a far eseguire nuove foto ad alta risoluzione. Ciò che traspare dalla documentazione prodotta in questo terzo viaggio del Bonucci è il continuo ricorso a vedute ricostruttive del contesto degli ipogei, non limitate all'ipogeo La Grasta 1, ma comprendenti anche gli ipogei Monterisi, Barbarossa, La Grasta 2 e del vaso di Dario. Spesso ritenuti dagli studiosi vedute fantastiche, frutto dell'invenzione di un funzionario statale dai trascorsi poco limpidi, I disegni di Bonucci si configurano come un tentativo di ricostruzione ipotetica volta a meglio comprendere quella che secondo lui era la Pompei greca. Di Canosa, come è avvenuto per Pompei e doveva avvenire anche per Capri, egli aveva d'altronde progettato la redazione di una sorta di carta archeologica con l'indicazione delle necropoli e delle scoperte più importanti, con lo scopo di ritrovare una città greca sepolta. In ciò non può non aver influito la temperie culturale e artistica che da decenni pervadeva gli scavi delle città vesuviane. Ricordiamo infatti che fu Bonucci a intraprendere per la prima volta gli scavi a cielo aperto a Ercolano, per soddisfare l'esigenza di osservare gli ambienti e non solo gli oggetti, che venivano scavati ovviamente secondo il metodo dei cunicoli. Anche i suoi studi pregressi e la sua sana, definiremmo curiositas, lo portarono verso le scienze naturali, fino ad interessarsi alla preistoria e a partire dagli anni 60, discutendo con il Duca de Luynes sul rigore del disegno archeologico, come ci ha raccontato l'altro ieri Francesca Silvestrelli. Fondamentale fu infine, credo, la sua formazione da architetto, che pure in questi giorni è emerso profondamente. Proprio quest'ultima generò in Bonucci la necessità di far collimare reperti e architettura, sviluppando un'idea di contesto senz'altro innovativa, ma sempre inserita in una dimensione ovviamente ottocentesca, nella quale era lecito spingersi a integrare i dati a disposizione. Due elementi, fra i tanti che ricorrono in questi documenti, nuovi, inediti, può fornire una valida testimonianza del processo che portò l'architetto a ricostruire i contesti. Il primo riguarda l'interpretazione da parte di Bonucci dell'interpretazione funzionale dei chiodi trovati sul suolo, lungo le pareti delle camere funerarie, che egli collega a tessuti o ghirlande o anche a oggetti appesi alle pareti. Il secondo, invece, si legge nella descrizione di alcune delle stanze dell'ipogeo La Grasta, dove Bonucci segnala il rinvenimento di filetti d'oro in uno strato di terreno, parla proprio di strati, di stratigrafia, sul pavimento dell'altezza di un pollice, quindi lo strato è alto un pollice, che lo inducono giustamente a supporre la presenza di tappeti, fatti ovviamente anche con fili d'oro. Questi elementi sono ricostruiti nella sua tavola della camera principale dell'ipogeo La Grasta 1. Il tappeto è posto sotto il sontuoso letto funebre in bronzo e avorio, pure descritto tra i ritrovamenti e puntualmente riprodotto nella tavola, nei disegni proposti dall'architetto. Sulla parete sono invece rappresentati oggetti, fasce e ghirlande fissati tramite chiodi, in una immagine fantasiosa, ma realizzata sempre secondo un metodo deduttivo indotto dalla presenza di tracce archeologiche e supportato dal confronto con elementi simili, come traspare anche nell'analisi degli elementi architettonici, in cui, questo traspare sempre dai documenti, in cui l'ordine dorico degli ipogei canosini era comparativamente paragonato al Partenone di Atene e l'ordine ionico era associato visivamente ai naiscoi, quelli che noi oggi sappiamo essere naiscoi, presenti sui vasi apuli. Alors, pour conclure, rassurez-vous,
Ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui n'est qu'un nouveau maillon d'une longue chaîne initiée par d'autres chercheurs avant nous, à qui nous rendons ici hommage. Parmi eux, bien sûr, Marina Mazzei, qui la première s'est intéressée au contexte historique des découvertes de ces hypogées, et puis bien sûr Andrea Milanese et surtout Claude Pousadou, qui ont tous deux, mais sous des angles d'approche différents, livré des études exhaustives des contextes canosins. L'apport de nouveaux documents découverts, notamment dans le fond Bonucci conservé à Capri, que nous a présenté Luca, permettra ainsi de compléter notre connaissance sur les activités de l'architecte dans les Pouilles. Mais dans la perspective plus précise de ce colloque, il permet bien de montrer les étapes de la connaissance des structures funéraires et la construction du regard sur la Grande Grèce. La systématisation des relevés initiés par Bonucci marque là une étape fondamentale et rejoint les expériences d'autres dessinateurs architectes attachés à rendre les contextes archéologiques que nous avons vus donc durant ces journées. Ces figures apportent justement leur regard professionnel et technique qui concentre l'attention des relevés sur les structures, mais aussi sur les usages, sur leurs usages supposés. Cette documentation graphique n'est certes pas exempte d'inexactitude, comme nous l'avons vu. Elle n'est jamais tout à fait objective, mais montre à travers justement ces imperfections les étapes de la recherche. La consolidation des connaissances, la sédimentation du regard sur une époque au prisme d'une autre. Nous vous remercions. Bien. Eh bien, merci beaucoup aux deux orateurs pour cette très très belle et très riche communication en bilingue. Avec cette partie d'archives qui réhabilite encore plus l'architetto Bonucci et donc toutes ces pièces qui s'ajoutent comme une petite mosaïque à la reconstitution minutieuse que vous avez très très bien présentée l'un et l'autre. Donc on a un petit peu de retard par rapport à l'horaire, mais je voulais qu'on aille au bout du roman archéologique de Bonucci et ne pas vous couper. Donc je donne tout de suite la parole, je vais demander d'abord à rester, vous restez s'il vous plaît, et je vais demander aussi à Annick Fenet de bien vouloir venir. Et donc je commence à ouvrir la discussion sur la communication de Odile Cavalier et Annick Fenet. Qui souhaite intervenir? Parce qu'il y a beaucoup de... Évidemment, ce matin, on fait des flashbacks, mais voilà. Qui souhaite intervenir sur la communication? François? C'est vraiment une question, et elle est vraiment naïve. Dans ce que vous nous avez montré des vases là, de Batam, oui. Qui fait ces choses si bizarres, dont la reconstitution de... du cratère en Carville, dans les deux vues que vous avez montrées de la grotte, oui. À Crystal Palace, il y en a une où au premier plan, on ne sait pas celui-là, hein. Il y en a une où au premier plan, on voit le vase en Carville, vraiment, et puis une autre où on voit le pastiche qu'il a inventé. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, en fait, je me demande si c'est pas le dessinateur, enfin du journal qui en savait trop. Qui en savait trop, oui, peut-être. C'est plus loin. C'est quand même. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est dernière. Voilà. Stop. Ça c'est la première. Et puis là, au premier plan, on a le cratère en Carville. Oui. Oui. Et puis la suivante, après. Là, on a encore le cratère en Carville. Oui, oui, oui. Et il y en avait une autre. Où il y avait celle-là, il y a l'espèce de truc qu'il a inventé, que je ne qualifierai pas. Oui, effectivement, oui. Il y a une différence. Mais les deux images proviennent de deux imprimés différents. Et donc, voilà, après... je ne veux pas vous empêcher de dormir, mais ça nous pose des problèmes sur qu'est-ce qu'on nous montre quand on nous fait des reportages sur ce qui s'est passé, parce que l'image nous montre, c'est en partie une fiction, j'imagine. Mmh. Ouais.
Bon. Une autre question ? Natacha. On en a un petit peu parlé concernant le terme de Etruscan vase. Mm. Tu le rattaches davantage à la forme des vases. Moi, j'avais fait une petite enquête sur l'utilisation de cette expression Etruscan vase qui me semblait plutôt désigner les vases figurés dans un certain milieu. Je ne sais pas d'ailleurs si Marie-Emilia est encore là, ce qu'elle en pense. Donc moi, il me semblait que c'était plutôt en relation avec un vase figuré qu'une forme de vase, mais bon. Dans le catalogue de 1851, on a des attestations d'Étrusques pour des vases lisses, sans aucun décor. Donc, dans leur esprit, ça se rattache à une forme. Mais je pense que de toute façon, le terme est entendu différemment par les uns et par les autres, et qu'en fait, ce sont des termes un peu interchangeables. Après, il y a peut-être aussi une évolution dans le temps. Enfin, je ne sais pas sur quelle période portait ton analyse. Dans mon faucon, moi, il me semble que pour mon faucon, un vase étrusque, c'est un vase figuré. Je vais donner. Est-ce que Athéna voulait parler et puis François ensuite. Par rapport à ce que vient de dire Natacha, mais il y a quand même toute cette tendance Wedgwood, oui, avec tout le nom de Little Etruria, Black Basalt, etc., oui, où c'est clairement une source d'inspiration, enfin ce qu'il considérait être étrusque, pour des formes. Alors il fait des vases, évidemment, Wedgwood, avec des décors figurés, mais il fait aussi des vases sans rien du tout, quoi, sans décor. Donc je crois que c'est très ambivalent, et je pense que c'est une très belle question, hein, cette question du vase étrusque. Oui. Et pourquoi aussi, d'ailleurs, on continue à utiliser cette dénomination de vase étrusque, même après qu'on sait que c'est des vases. François, tu voulais intervenir Non, je veux dire que dans mon faucon, tous les vases étaient étrusques. Oui, et ça peut aider, mais sans doute aussi un peu commercial à l'époque. Oui, sì, infatti, come si dice Athena, credo che il contesto è differente qua, non è un contesto di antiquario, di studiosi di antichità, ma un contesto commerciale e il vaso etrusco è il... un nome volgare per designare tutti i vasi antichi in realtà. A partire dalla serie di Wedgwood che veniva proprio denominata Etruria, per cui è un contesto totalmente differente, in cui i vasi greci, magnogreci, sono usati come modello per oggetti di design, di arredamento, proprio come Hamilton aveva scritto nella sua introduzione nell'opera di Tischbein, per servire da modello agli artisti, quindi... Alors, je voulais juste préciser que dans la mission à Londres, bon, qui n'a pas pu avoir lieu et que j'espère avoir le temps de mener à bien avant la publication, une des choses que je voulais faire, c'était aller à la recherche de catalogues édités par les manufactures elles-mêmes et non pas par des journalistes ou critiques qui viennent à l'exposition, pour voir comment les fabricants qualifier eux-mêmes leur production, parce que là aussi je pense qu'il y a une manière de décrire ou enfin de comprendre en tout cas leurs intentions au départ, hein, parce que là les éléments qu'on a, en fait, on n'est pas capable de savoir si ce sont les fabricants qui ont donné les intitulés pour le catalogue, ou si ce sont les rédacteurs des catalogues qui les ont inventés de toutes pièces. Donc voilà, là il y a aussi un niveau de fabrication du langage qui est à étudier. Oui, je crois qu'en tout cas, moi, ce qui me semble, c'est que l'impact aussi de toutes ces planches, effectivement, de dessins, énormément des dessins d'Encarville, sont vraiment fondamentales pour comprendre tout le développement des arts décoratifs. On a des échanges de correspondances
notamment de visiteurs au British Museum qui écrivent à Lord Hamilton lorsqu'il y a la première collection qui rentre au British et qui vraiment s'extasie en disant mais voilà, votre collection va vraiment changer l'intérieur, les arts décoratifs, on ne va plus avoir une collection de vaisselle chinoise mais des beaux modèles antiques quoi. Donc ça c'est... Y a-t-il d'autres... Oui. Oui, en fait, il me semble que... Bon, évidemment, il y a cette nouvelle qui s'appelle le vase étrusque qui marque, et puis il y a ici énormément de spécialistes de la céramique, mais le terme de étrusque ou à l'étrusque, il est au XIXe siècle, et c'est depuis la fin du XVIIIe, en fait, beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'antique, mobilier, décor mural, tout ça... C'est en fait quelque chose, si vous regardez les vases, si vous regardez les motifs, c'est très pratique parce qu'en fait, les vases vraiment étrusques, on ne les connaît pas à ce moment-là. Ce sont les vases de Grande Grèce, ce sont les vases dits de Nola, etc., parce qu'en fait, on ne sait pas exactement. On a des gens comme Lucien Bonaparte qui vont s'accrocher à cette notion de muséum étrusque, alors que du côté scientifique, on commence à différencier les différentes fabriques antique, mais on n'a pas encore une idée très précise de ce qui est réellement étrusque. Si on regarde les vases, par exemple, la production de Chiusi, qui est proprement étrusque, on la voit apparaître assez tardivement et pas du tout dans les arts décoratifs. Vous allez avoir des Rita, ça c'est en fait la Grande Grèce. Vous allez avoir ce qu'on trouve à Canosa, puis ensuite on va avoir Vulci, Cerveteri. Et on va arriver assez tardivement, avec un petit nombre de pièces, à ce qui est proprement étrusque figuré. Donc en fait, ce qui reste étrusque dans précisément tout ce mouvement des arts and crafts, c'est ce qui peut nourrir le répertoire décoratif, c'est ce que l'on connaît, répercuté par des dessins dont vous avez très bien montré depuis deux jours, c'est absolument passionnant, qu'en fait on continue à se référer à des dessins de la fin du XVIIIe siècle, dans les arts décoratifs, et ça, on l'a très tardivement. Le mouvement de la science et le mouvement des arts and crafts sont complètement différenciés. Et ensuite, on a un mouvement plus scientifique dans la deuxième moitié du 19e, je crois. Je veux dire, ce sera intéressant de voir l'impact du Bouquero dans la présentation des expositions universelles. Je sais par exemple certaines manufactures se spécialisent là-dedans, notamment la manufacture de Creil qui probablement expose pas dans les expositions universelles. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il y a des essais comme disait Athéna notamment dans les productions aussi de présenter des vases dont on sait pour le coup qu'ils sont de production étrusque à partir quand même des années 40, 50. Donc ce serait intéressant de creuser un peu ce dossier. Mais voilà, je ne sais pas, Annick, si à partir de 51, on présente les vases en Bouquero dans les expositions universelles. En tout cas, en 1851, non, ça c'est clair. Après, on n'a pas encore tout inventorié de manière systématique, mais... Oui, en 60. On commence à voir justement ce qui est proprement étrusque avec Castellani. On a des gens qui exposent à partir de ce moment-là ce qu'on appelle la préhistoire et aussi des pièces indigènes. Le terme est choquant de nos jours, mais en fait, c'est exactement ça. Une céramique noire avec des formes traditionnelles. Et là, on peut faire justement le rapprochement avec Cerveteri et les amphorniques esténiennes et certaines productions comme le Kiatos. Mais ça, c'est pour un petit monde. Pour les expositions universelles, on commence déjà à avoir quelque chose. Mais il faut voir aussi que l'intérêt, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour ce qui est préhistoire, c'est la deuxième moitié du 19e, et ça s'associe aussi à des trouvailles qui font qu'on a un panorama différent de ce qui s'est passé en Italie. Et on commence à différencier davantage entre la Grande Grèce, les Doniens, etc., pas en allant jusque-là d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui s'esquisse à ce moment-là. Mm-hmm.
Donc, dans les rétrospectives, on a ce qui apparaît progressivement comme les pièces les plus anciennes et qui sortent du territoire. Certaines, d'ailleurs, on s'est beaucoup amusé avec Christian, qualifiées de gauloises. Parce que quand on arrive à la partie padane, on se retrouve dans une zone très indéterminée où ce que l'on trouve, on l'appelle gaulois. Parce qu'on ne sait pas si c'est étrusque, on ne sait pas si c'est celte, et en fait, c'est nettement plus ancien. Donc on est vraiment dans une zone où se forme la connaissance, avec les découvertes. Oui, enfin là, on s'est vraiment focalisé sur 1851. Oui. Sur les autres les expositions, ce sera publié. Non, mais je sais bien, on va juste pour dire qu'en fait, les choses ne se précisent que dans la deuxième moitié. Oui, merci beaucoup. Bon, l'étrusque fait toujours parler de lui abondamment, mais on pourrait... Je crois avoir vu d'ailleurs, pour clore momentanément cette discussion, que la boutique intitulée Le Vase étrusque de la Madeleine, je crois que le nom n'apparaît plus. Hein. J'ai vu ça lors d'un embouteillage récent. Alors, mais je crois que bon, on aurait dû quand même en faire un monument national et on aurait dû le conserver. Tout de suite, mais il ne faut pas non plus déflorer les conclusions que nous attendons avec impatience. Donc, qui souhaite intervenir sur la double communication de Florence Lebarce et Lugati Franco? Oui, Natacha. C'est un commentaire sur ce que tu disais, Florence, en mettant en relation donc cette découverte, les dessins de Milin et ce qui se passe en Étrurie, et donc la chronologie. Et donc là, justement, la Grande Grèce est au premier plan, et d'abord. Hein, et je pense qu'elle initie beaucoup de points de vue sur le contexte, donc le palais à Musignano de Bonaparte reprend un petit contexte archéologique, et reconstitue un petit contexte archéologique, peut-être filiation des Bonaparte, hein, mais donc voilà, je pense qu'à Naples se créent beaucoup de choses qui ensuite vont être diffusées en Italie concernant le contexte archéologique et donc la prise en compte du décor architectural et du mobilier, l'association entre les deux. Alors, si je peux juste compléter justement et rebondir sur la remarque de Natacha, c'est vrai que alors Milin sent tout de suite justement l'importance parce que c'est quelque chose de complètement inédit. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on trouve évidemment des tombes architecturées. Luca Di Franco pourra en parler mieux que moi. La tombe de conservée dans les collections du duc de Noria et qui est reconstituée justement. Hein, les parois de la tombe sont prélevées. Elles sont reconstituées, remises dans le musée royal, mais ce n'est pas une tombe architecturée avec une façade comme c'est le cas pour l'Hypogée. Donc cette découverte de 1813 est particulièrement importante justement parce que c'est la première fois. Effectivement, en Étrurie, on sait qu'il y a des choses qui commencent à se passer, mais ce n'est pas encore publié. Et c'est pour ça que, je pense, Milin se dépêche hein, vraiment de mettre la publication sur le marché. Et c'est ça aussi qui va permettre d'avoir toute cette fortune éditoriale des tombeaux de Canosa, parce que le titre est repris et vraiment fait partie des ouvrages de référence. Je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup à l'intérieur de la communication, mais il fait partie vraiment des ouvrages de référence de toute bonne bibliothèque, de l'érudit, disons, des années 1820 jusqu'aux années 1850-60. Bon, après, bien sûr, toute la richesse des découvertes d'Étrurie vont prendre le pas, justement, sur ces premières découvertes de Grande Grèce. Mais c'est vrai que c'est là, je pense qu'on touche du doigt, là, vraiment, l'un des éléments déclencheurs de cet intérêt du regard, justement, pour toute la structure, pas seulement pour les objets de la tombe, mais pour toute la structure. Donc, première idée de contexte. Vuoi aggiungere? No, beh, volevo soltanto aggiungere appunto questo elemento del Duca di Noia che abbiamo trovato qualche anno fa, che appunto riprende questo concetto della ricostruzione del contesto. Lì c'è una lettera, quando viene scoperta la tomba del guerriero a Nola, si parla anche dei vasi ritrovati, ma in realtà non si parla proprio, non si pone attenzione sui vasi,
invece sul contesto, sulla, diciamo, sulla pittura sostanzialmente, ma proprio sul quadrato, diciamo, sul rettangolo della tomba, perché si parla proprio della sua struttura. E poi viene ricostituita così nella casa del Duca di Noia, e quando viene portata a Capodimonte viene allestita nello stesso modo in cui era nella casa del Duca di Noia. Quindi, e questo è l'unico parallelo che, diciamo, io ho trovato, dello stesso periodo, che parliamo del 1771, l'acquisto della collezione del Duca di Noia, quindi parliamo di un periodo abbastanza precoce. L'unico è anche in Sicilia, c'è un caso simile di una ricostituzione di una tomba in una casa privata, e poi altro non c'è. Quindi penso che è questa strutturazione dell'occhio, no, verso il contesto, che si struttura pian piano già a partire da quel periodo, e poi con Hamilton ovviamente l'abbiamo visto nei giorni scorsi. Claude Pousadou. Grazie, complimenti per questa ricostruzione molto interessante, con la presa in considerazione della nuova documentazione. Quando ho affrontato Bonucci, dopo, come l'avete detto, Marina Mazzei, Andrea Milanese, per forza mi sono posta la domanda della affidabilità delle sue ricostruzioni, e penso che è un caso che è proprio scelto benissimo per queste giornate, questa problematica di confronto di facsimile pitture e vasi, perché la formazione di Bonucci in quanto architetto fa sì che forse il suo livello di affidabilità è più alto per tutto quello che riguarda lo spazio, l'architettura, come l'hai fatto vedere Luca. Invece per i vasi, il confronto tra gli archivi, le corrispondenze, fa vedere che ha fatto una scelta di oggetti, anche perché non li ha visti per forza, perché tutto era disperso. Quindi pone anche il problema dell'accesso al documento per poter ricostruire o restituire, come l'hai detto, è importante questa sfumatura. E quindi è una figura molto complessa, ma in alcuni dettagli fa vedere un'attenzione fortissima allo spazio e agli aspetti architettonici, perché per la tomba del vaso dei Persiani si può confrontare la descrizione scritta e la resa pittorica, nel semplice fatto che lui parla, e tutta la documentazione, di una tomba a botte, e lui con l'ombra portata sembra di restituire effettivamente un esempio di tomba a botte, così si dice. Quindi hai ragione a non criticare tutto, però bisogna stabilire i criteri e tenere conto della formazione. Io mi sono sempre detto, ma era una buona idea mandare un architetto per il recupero del materiale, anche se lui è impegnato molto nel recupero del materiale, come si vede attraverso le fonti. No, ti ringrazio molto per le osservazioni. Diciamo che noi ci siamo chiesti diverse cose, ed è stato anche molto costruttivo il confronto tra la prima parte dell'Ottocento e la seconda parte della prima metà dell'Ottocento, diciamo, queste due facce, diciamo, queste due prospettive, diciamo, in cui si guarda Canosa in questo periodo, anche appunto per l'affidabilità. Però quello che emerge, a mio parere, dalla documentazione è una differenza che poi, diciamo, calata un po' nel giorno d'oggi, forse sarebbe un po' più sfumata la critica, perché lui fa delle descrizioni metodologicamente corrette, come quella che abbiamo trovato a Capri, e come ce ne sono tante nei documenti d'archivio di quel periodo a firma sua. Poi c'è il documento che accompagna le tavole, quelle a cui tu hai fatto riferimento, che è un po' a volo d'uccello, un po' più generico. E poi c'è il poligramma pittoresco, che è veramente quasi un romanzo, quasi un'opera divulgativa, come anche la sua operetta su Pompei. Quindi diciamo che c'è una diversa
un obiettivo diverso nei suoi trattati, questo assolutamente. Invece sulla questione dell'architetto pure ci siamo interrogati molto anche in questi giorni, alla luce dei vari interventi che ci sono stati in questi giorni, perché in realtà traspare anche dalla documentazione che poi abbiamo pubblicato nel convegno appunto fatto a Capri 2 anni fa, emerge molto spesso questa attenzione verso l'architettura e anche verso la tutela dell'architettura, addirittura degli elementi architettonici, e anche per questo l'architetto ha un ruolo molto più importante, addirittura per i Campi Flegrei viene fatto un regolamento di manutenzione, diciamo di gestione nel 1840, c'è anche Bonucci in mezzo a queste cose, quindi diciamo c'è un cambiamento quasi epocale dagli oggetti al contesto, o diciamo all'architettura, non solo scavo per recuperare ma anche scavo per visionare, per documentare, per visitare, ecco. Quindi in questo credo che l'architetto abbia un ruolo fondamentale, e spesso poi quello che emerge pure da Bonucci è che spesso viene mandato dalla Corona un architetto che possa documentare quello che c'è, a volte gli viene richiesto anche di fare dei plastici in sughero per, diciamo, che manifestino qual è l'oggetto, diciamo, dell'intervento, e si faccia le proposte di scavo, quindi, ed è sempre l'architetto che viene mandato. Quindi credo che qui ci sia ancora un po' da lavorare, ecco, su questa figura nel regno borbonico, quantomeno. Perché effettivamente c'è differenza fra Carlo Bonucci, che è un architetto, ma è un antiquario anche, cioè, come dire, insomma, lavora tanto con quelli che sono gli archeologi del momento, compreso Campana, voglio dire, compreso tutta una situazione di antiquaria che viene fra l'altro effettivamente dall'Etruria. Però ecco, non è l'architetto, secondo me, che viene mandato sullo scavo a fare il rilievo o a fare il modellino. Credo che siano due modelli di disegnatore, ma non è disegnatore, sono due figure diverse di tecnico, almeno per noi sono tecnici. Poi in realtà Carlo Bonucci è proprio una figura molto impegnativa. Ma questo, diciamo, forse più come lo intendiamo noi, perché comunque dai documenti appunto all'anfiteatro lui viene mandato per fare i rilievi dell'anfiteatro, eccetera. Lo zio Antonio Bonucci appunto viene mandato a Capri per fare questi disegni con il sughero. Anche a Pestum, sì. Quindi diciamo forse è come lo intendiamo più. Lui, Carlo Bonucci, è una figura. Però è a 360 gradi. Sì. Invece ci sono quelli che sono proprio i topografi, o comunque quelli che vengono mandati a fare appunto. Anche perché non so quanto Carlo Bonucci, forse all'inizio non lo conosco abbastanza, però ho visto quanto è influente nella parte dell'antiquaria. Quindi ovviamente come. Appunto, che ne so, oggi un architetto, faccio per dire, alla direzione di un museo, che poi diventa comunque un curatore, e lui, ecco, mi sembra questa figura che effettivamente è un po' una via di mezzo, cioè non è proprio un architetto. Infatti quello che dicevamo, la formazione di queste figure va studiata, perché è una cosa decisamente particolare. E quello che io però non ho mai capito bene di Canusa, tutte queste rappresentazioni che abbiamo, no? Sono sempre solo disegni, o c'è un caso, a parte i modellini, o c'è un caso di ricostruzione in quel periodo, agli inizi dell'Ottocento, proposta al pubblico? Non lo so, lo sto chiedendo. No, a parte questo. Ecco. Sì. No. Allora, ci sono vari modelli in sughero. Non modelli. Ricostruzioni, cioè proposta di ricostruzione del. Ancora no, perché cioè, questo emerge molto chiaramente in Bonucci, c'è la consapevolezza che c'è ancora tantissimo da scoprire. E quindi non si azzardano a proporre un'opera che sarà subito messa, cioè che sarà subito una cosa
scaduta della conoscenza, uno stato scaduto della conoscenza. Per ritornare alla formazione di Bonucci, credo che appunto attraverso le sue diverse esperienze si vede proprio la sua formazione aprirsi e anche si vede salire la scala delle responsabilità, perché nel secondo viaggio che fa in Puglia prende anche con sé il figlio. Infatti le tavole che abbiamo fatto, che Luca ha fatto vedere alla fine, sono a firma di suo figlio. Quindi anche lì c'è una trasmissione delle competenze, del sapere, e poi anche è un lavoro di piccola mano, insomma, fatto fare dal padre al figlio. Ma all'inizio è lui che fa questo tipo di lavoro un po' più umile, e gli viene anche richiesto questo tipo di lavoro all'inizio della sua carriera. Perché prendere un architetto? A mio senso, perché sono quelli che disegnano in modo più accurato e che non hanno l'ego di un artista, del pittore, di rimettere il suo stile. Quindi l'architetto disegna quello che vede, senza mettere troppo la sua mano, diciamo. Poi vediamo che non è mai obiettivo, perché si riconoscono appunto le mani diverse, però secondo me, se la scelta iniziale si ferma su una figura di architetto, proprio perché sono loro che hanno questa formazione di disegno così preciso, e magari da lì poi si innesta, non lo so, è un'ipotesi, si innesta una tradizione che poi viene riportata anche in Etruria e in altri contesti. Però c'è una differenza, poi basta. C'è una differenza fondamentale con l'Etruria, che ricostruiscano anche finti, ma ricostruiscono i contesti. Invece qui il museo di Chiavoli, ecco. Però è un apax, perché non verrà poi vabbè, il museo si disperde, cioè, poi c'è una faccenda storica pesante in mezzo, perché siamo nel 1815, come sapete succede un po' di cose in quel momento. Però non viene riproposto. È vero che una parte dei vasi, quei più belli, sono andati fuori dal regno, se l'è presa con sé Caroline, quindi non è più pertinente magari riproporre il contesto come veniva proposto nel museo. Però non ci provano nemmeno, questo è vero. Cioè, noi abbiamo Belzoni, faccio per dire, noi a Londra abbiamo i campanari, abbiamo in Toscana una serie di ricostruzioni finte, non importa. Però ecco, se ho capito bene, ammesso abbia capito bene, invece lì vengono ricostruiti attraverso il disegno, questi vengono riproposti attraverso il disegno, è giusto questo? Ho capito bene? Allora, la ricostruzione all'interno del museo, la ricostruzione del primo ipogeo, quello del 1813, all'interno del museo di Caroline Murat, viene attraverso le rendicontazioni, quindi attraverso lo scritto dei testimoni oculari che hanno partecipato o hanno visto lo scavo, perché non esistono ancora i disegni. I disegni arrivano in un secondo momento, a partire da questi schizzi che vi ho fatto vedere. Quindi sono ricostruzioni, ma molto staccate dall'originale, in realtà. E quindi in realtà è la ricostruzione all'interno del museo che serve anche di fonte per fare le tavole e la pubblicazione. Ma questo è un caso a parte, direi, perché Bonucci invece non Alors j'ai un peu scrupule, donc je demande aux deux intervenantes. Non, je voulais simplement. Oui, je crois qu'il faudrait passer aux conclusions, parce que sinon on va manger toutes les conclusions de nos collègues. Et donc je leur donne tout de suite la parole en remerciant encore les intervenantes et intervenantes ce matin. Pour ces belles communications qui nous ont mis sur la voie des conclusions. Et je garde mes propres questions pour des conversations privées. Voilà. Bon, eh bien, puisque par ordre alphabétique, c'est moi qui étais en premier, je prends la parole.
Attendez. Voilà. Alors, évidemment, en commençant par remercier les organisatrices et les institutions qui ont permis la réalisation de ces trois journées pour avoir donné le temps, rassemblé des spécialistes et donné le temps de discussion autour de communications riches de nouveautés à partir de dossiers reposant des fois sur des documentations inédites, nouvelles relectures. Donc, on a tous appris beaucoup et c'est vraiment un succès. Je voulais rappeler que ces journées étaient donc la troisième rencontre et la rencontre conclusive d'un programme qui était né, mais ça a été dit dans l'introduction, pour étudier les facsimilés de peinture étrusque, et on a assisté au gré de ces années, à travers les publications aussi, et celles qui vont venir, à l'élargissement du questionnement à travers une confrontation, d'abord une confrontation entre aires géographiques, facsimilés de peinture étrusque et de peinture d'Italie du Sud, de Rome, et puis facsimilés, même si ce terme n'est pas approprié pour la deuxième confrontation, entre peinture, fresques et vases et leur représentation figurée. Alors, pourquoi le facsimilé n'est pas approprié? C'est Natacha qui me le disait ce matin, petit déjeuner. Elle me disait, facsimilé d'un vase, c'est plus compliqué. Ou alors, ça nous amène à nous interroger sur comment faire des facsimilés de vases. Peut-être qu'avec les exemples que nous a montrés Annick et la reconstruction, les copies de vases, on est dans le facsimilé, mais ce n'est pas pareil. On sait bien que c'est autre chose, mais on est quand même face à la question de la reproduction, de la représentation. Et il s'agit de voir à travers cette confrontation s'il y a une histoire commune ou deux histoires spécifiques, celle des peintures de vases et celle des peintures et des formes des peintures de fresques, de murales et des peintures des représentations sur les vases et de leurs formes. Alors évidemment, dès qu'on parle de forme et de support, on voit bien que même s'il y a des points communs qui sont liés à la question de la fidélité, à la question des savoirs, à la question des techniques, à la question de la couleur, à la question des objectifs, etc., il y a des points communs, mais il y a évidemment des différences qui tiennent à la nature des supports, la question du volume, la question de la mobilité des objets, la question de leur destruction, même si dans les deux cas ça se pose, et du coup des enjeux de conservation peuvent avoir les reproductions. Et on a pu le voir jusque à travers la communication coup de poing de Ludy hier, à travers la photo, les moyens techniques, comment on tient compte de ce volume et du regard qu'on va poser dessus. Mais bon, donc vous voyez que le spectre des questions est très large, c'est ce que nous allons essayer de rassembler dans le temps que nous avons. Alors, avant de donner la parole à Athéna, qui va se charger de construire, de restituer la construction de conclusion, on va essayer de parler à deux. Je voulais faire aussi une autre remarque qui rejoignait le mot, les saluts qu'avait fait Nicolas Laubry à distance, en envoyant ce mot, en insistant sur le fait que c'était aussi un travail qui s'inscrivait, et dans le cadre des recherches et du programme de l'école, sur l'histoire, un programme qui a trait à l'histoire des savoirs, et à travers une exploitation de la documentation d'archives, qui est un filon très exploité aujourd'hui, auquel des formations comme celle de Florence Lebar et Christian Mazet ont donné place, et qui pose la question aussi du rôle de ces dessins, parce que certains sont effectivement inédits et requièrent une exploitation des archives, le problème de l'accès aux archives. Certains sont publiés, republiés différemment. Donc on voit que dès l'approche de la documentation, on se pose le problème du statut de ce document. En tout cas, dans un cas, celui des archives, ça confirme l'importance du rôle des archives dans l'écriture de l'histoire de l'Antiquité. Quelques mots sur les apports avant d'entrer dans le mérite, dans le détail de ces apports. À part cette confirmation du rôle des archives, on voit qu'il y a vraiment de quoi faire une histoire des dessins de vases et de la construction d'une documentation scientifique
mais aussi d'un métier. Et je renvoie à la remarque extrêmement synthétique et complète qu'a fait Florence quand elle a dit que finalement, Florence Lebar, c'est l'histoire du passage d'un dessinateur à un copiste, à un technicien, mais ce sont aussi les conclusions de Marie-Amélia Machi sur le fait qu'on passe, et plusieurs l'ont fait, du discours des antiquaires à l'archéologie scientifique. Donc vraiment, l'histoire des dessins fait partie de cette histoire comme elle fait partie de l'histoire des savoirs. Mais il y a quelque chose de spécifique quand même au dessin, et on mesure vraiment toute la portée, et ça a répondu pleinement à l'objectif fixé dans l'introduction par les trois organisatrices, voir comment le dessin pouvait être un objet de connaissance, et il l'est, et on peut le reconstruire à travers ces journées en écrivant l'histoire de l'aspect documentaire du dessin, toute la portée du dessin de vase, alors comme un outil de connaissance de la céramique antique, de sa typologie, de l'évolution des techniques de la céramique, de la connaissance de l'histoire de la céramique, toute la portée du dessin comme outil de diffusion des savoirs de différentes manières vers différents publics, mais aussi toute la portée du dessin dans sa contribution à la connaissance des contextes, puisque finalement c'est dans ces textes aussi sur les règles du dessin qu'on passe de l'objet au contexte. Et puis un quatrième apport, c'est, on l'a vu surtout aujourd'hui, le rôle du dessin comme diffusion de modèles, de motifs décoratifs antiques, c'est ce qui concerne la réception. Donc voilà, tout ça a été vu à travers 12 ou 13 communications qui ont touché à des aires géographiques différentes, à des milieux différents, comme l'indiquait le titre, évidemment, de la fin du XVIIe jusqu'au XXe, et du coup des moyens de reproduction très différents. À travers tout ça, et après je m'arrête pour passer la parole à Athéna, puis nous allons dialoguer, se pose la question fondamentale du regard et du point de vue. Ça, c'est en fait notre métier aussi, c'est notre métier parce qu'on travaille en archéologie, histoire de l'art, mais c'est notre regard d'historien aussi. On a vu à quel point, à travers aussi la contribution de François, comment on peut rappeler la nécessaire lecture critique des sources et l'image, évidemment, et c'est ce qu'on aime faire, et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut enseigner, est objet d'une analyse critique. Donc le regard traverse, et la question du point de vue traverse toutes les communications, à travers cette fameuse question de la fidélité, de l'objectivité, des moyens que cela requiert, des enjeux qui sont définis, des stratégies qui sont élaborées. Alors, voyons maintenant peut-être de façon plus structurée comment on peut tirer les fils de ces riches journées. C'est un exercice redoutable auquel je vais essayer de me livrer, mais je rejoins tout à fait Claude. Je voudrais aussi remercier à mon tour vraiment les organisateurs pour cette occasion tout à fait extraordinaire de partage et d'échange sur un thème qui est vraiment fondamental. Et donc il nous a semblé important effectivement de suivre un peu la structuration des trois journées, enfin des trois journées qui ont eu lieu, avec toujours ce fil conducteur que vient de présenter Claude du point de vue du dessin, de sa réception, de ses emplois et de sa diffusion. Alors si on prend le premier volet, et c'est plus du point de vue du rendu, du point de vue de la fidélité ou pas de ce dessin par rapport à un corpus documentaire, il nous a semblé évidemment, et l'ensemble des communications l'ont bien souligné, qu'on a évidemment cet moment charnière dans les années 30 avec la fondation de l'Institut archéologique à Rome, avec la mise en place de l'apparatus de Edouard Guérard. Et si on analyse plus précisément
qu'est-ce qui se met en place à partir de cet apparatus? C'est vraiment la question du rendu, la notion évidemment de précision à travers toute une série de moyens et de techniques qui vont se mettre en place. Dans les moyens, alors cet usage de plus en plus diffusé, de plus en plus fréquent finalement, du calque, du papier Japon évidemment, la prise en compte également, alors toujours par rapport évidemment à la représentation, à la documentation des vases, dans ce cas-là, de la déformation. Donc on va vraiment une prise de conscience aussi de cette problématique. Comment est-ce qu'on va rendre sur deux dimensions véritablement un décor qui fait partie d'un objet en trois dimensions avec en surplus cette surface convexe, donc avec plusieurs moyens qui vont être mis en place pour essayer de résoudre cette problématique. Et puis également la technique. La technique, alors ça c'est à la fois la technique pour les peintures murales, mais aussi la technique utilisée sur le décor des vases, et la notion évidemment de couleur hein, qui rentre et qui va vraiment s'élargir et devenir une sorte de moteur hein, dans les représentations et dans l'enregistrement de ces documents, dans la technique, les types de lignes qui sont pris en compte, les différentes couleurs, alors qui sont soit reproduites, soit annotées simplement pour qu'on puisse visualiser. Mais tout ça aussi, et je crois que ça c'était aussi un des éléments extrêmement intéressants des communications, est mis en perspective, et on se rend compte évidemment que ce n'est pas linéaire, que c'est également l'approche de Guérard et cette mise en place à partir des années 30 au 19e siècle, une sorte d'aboutissement de toute une série d'intérêts qui se juxtaposent hein, et qui se développent et qui apparaissent dès le 18e siècle. Alors on pense notamment à cet intérêt pour le relief dans l'usage du clair-obscur, notamment dans le cas des gravures, déjà avec Montfaucon par exemple. Un autre élément qui est extrêmement intéressant aussi, c'est l'intérêt croissant pour les motifs ornementaux, mais qui apparaît lui aussi très très tôt avec des dessins notamment de Tempster pour la collection de Thomas Cook, la couleur chez Dancarville évidemment, et aussi très tôt, dès le 18e, cette notion de classification, alors qui ne va pas être aussi systématisée qu'au 19e, mais qui est déjà bien là. Alors, et je vais laisser la parole pour un élément qui est tout à fait fondamental à Claude, c'est le rôle aussi des individus. Hein, qui sont ces gens derrière ces dessins, finalement, à la fois les commanditaires, mais aussi les personnes qui réalisent les dessins. Alors, en dehors, je veux dire, de cette première partie liée plus au rendu, à l'évolution du rendu, au rôle de l'apparatus, notamment d'Edouard Guérard, il y a deux autres parties, je dirais, si on doit vraiment résumer. C'est évidemment le rôle des institutions, et ça c'était dans les sessions qui ont été établies, avec l'apparition des fonds. Les fonds, ça c'est quelque chose, je crois, très fondamental dans cette notion du 19e. Les fonds qui sont un outil scientifique avec Guérard et son apparatus, un outil scientifique, mais dont les usages vont se développer selon les fonctions des institutions qui sont derrière et le public auquel on va s'adresser. Hein, donc avec l'Institut archéologique qui s'adresse évidemment à un public alors de savants, de collectionneurs, etc., qui met en place, je dis, toute une série d'étapes, et ça a été très bien montré, c'est cette notion de référence, de normes à mettre en place, d'une part, à partir de laquelle on peut travailler. Le deuxième élément qui est lié à la notion de normes, l'élément de la méthode et d'une forme, la méthode qui est le synonyme de la mise en place, évidemment, de la discipline en tant que telle, et la notion de série. Hein, ça, c'est, je crois, quelque chose qui est très important. Et puis, toujours dans le rôle de ces institutions, les institutions alors plus public, avec évidemment d'une part le cabinet des médailles et puis le musée, les services archéologiques, notamment avec le cas évidemment de Gatti, et là avec une fonction qui s'élargit, qui s'adresse à un public beaucoup plus large finalement, avec cette notion d'éducation, hein, de mission pédagogique qui est derrière. La reconstitution là aussi d'un contexte, mais là Claude va le développer beaucoup plus. La notion évidemment patrimoniale aussi, hein, qui va se mettre en place progressivement au 19e siècle. Alors, qui dit public, et ça c'était le dernier volet, dit public, comme on l'a dit, large, mais aussi donc cette mission pédagogique avec
la communication notamment de François sur ces manuels qui vont avoir un effet contraire puisqu'ils vont décontextualiser finalement complètement les dessins et qui vont les tirer, en fait, cueillir petit à petit des éléments qui servent vraiment d'illustration. Donc, ils vont vraiment manipuler ces dessins à but d'illustration et toute la question évidemment du CVA et là aussi du public et où est-ce qu'on, jusqu'où on s'arrête et qu'est-ce qu'on retient de ces sources. Mais derrière tout cela, il y a les agents, hein, ce qu'on peut appeler les agents, les acteurs, et qui sont fondamentaux pour nuancer ce schéma très linéaire que je viens d'esquisser. Et voilà, je laisse la parole à Claude pour développer davantage Pour développer ou compléter, parce que effectivement, quand on construit une histoire, on essaye de trouver un fil directeur, des étapes, mais on se rend compte qu'une fois qu'on l'a construit, il y a des variantes locales et qui nous demandent de tenir compte des contextes. Donc, par exemple, on a vu qu'il y a des milieux porteurs, hein, on a parlé des institutions, mais il y a Naples, il y a Rome. Après l'unité, il y a les musées, donc les institutions, effectivement, une fois qu'ils sont vraiment constitués et normalisés après l'unité nationale en Italie. Et puis, évidemment, il y a les personnes qui introduisent de la variante dans cette histoire. Et pour mesurer pleinement l'apport du dessin à l'histoire des savoirs, l'histoire des connaissances, il faut se pencher sur leur formation. On l'a dit, c'est dans la discussion là, de la fin de cette matinée, à creuser. Et puis, en amont, je crois qu'il faut vraiment la chaîne, on la construise de plus en plus en amont, ça a été plusieurs fois évoqué, la question de l'accès au terrain, l'accès aux objets. Et on a vu que selon le rapport que le dessinateur avait avec l'objet, selon les compétences qu'il avait, la formation qu'il avait, son propre regard sur l'objet de sa connaissance, sur le territoire, sur le contexte, sur le vase, sur les peintures, n'était pas tout à fait le même et qu'il pouvait y avoir des déformations. On l'a vu dans les reproductions de reproductions. C'est bien apparu. Donc, sont apparues des figures de dessinateurs voyageurs, de dessinateurs avec les voyageurs. On l'a vu évidemment dans la communication de Francesca Silvestrelli et de Louise à propos du duc de Luynes. C'est vraiment très important. On l'a vu aussi dans ce caractère très insaisissable de Muret. Et tant qu'il n'y a pas des normes de fixer et tant qu'il n'y a pas certaines conditions réunies, c'est normal que nous aurons des situations différentes. Donc cette histoire que nous construisons collectivement doit évidemment tenir compte de ces particularités et la possibilité d'avoir eu des cas, de travailler sur des études de cas. Évidemment, l'introduction et la conclusion et des actes devront donner l'impression, hein, d'un livre qui raconte une histoire, mais c'est vrai que c'est important de faire ressortir ces diversités, à commencer par la première diversité et spécificité que je disais pour commencer, entre la peinture, les fresques et les vases, parce que cette question de la trois dimensions est fondamentale et peut déboucher sur des interrogations futures sur quels sont les meilleurs moyens, finalement, de construire une documentation, sinon objective, car... on sait bien que l'objectivité est difficile à atteindre, mais en même temps, elle peut quand même reposer sur certaines règles partagées, et on peut être d'accord ou pas, mais elle a le mérite d'exister. Alors, cette question de l'accès aux objets, voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que ça me semble être au début de la chaîne extrêmement important. Sur les contextes, on en a parlé ce matin. Finalement, je sais que c'est un des aspects que les organisatrices auraient voulu illustrer davantage. Il y avait d'autres interventions qui étaient prévues, mais il y en avait trois, mais il y en a deux qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc, c'est peut-être une des pistes à explorer dans le futur. Et on a finalement touché à... Depuis les exigences formulées par Gerhardt jusque
Ben, au problème, finalement, ça, je sais ce que je voulais dire hier, mais j'ai pas eu le temps, qu'un des problèmes du CVA, si on veut revenir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de contexte, parce que ça n'est pas l'objectif. Donc, finalement, comment une documentation sur les vases réussit à faire même du vase un objet, un document pour l'histoire, dès lors qu'il est extrait de son contexte. Ça pose aussi cette question-là. Mais à partir du moment où l'archéologie devient une science et normée, justement autour de ces années 30 qui confirment toute une gestation antérieure, comme l'a rappelé Athéna, celle du contexte est déjà formulée. On a parlé de la diversité des publics, et je voulais ajouter aussi un aspect. J'ai commencé en disant qu'il était bien évident que cette réflexion permettait d'apporter de l'eau au moulin de l'histoire des savoirs, mais aussi de l'histoire sociale et économique, parce que finalement, si on a vu qu'à travers les buts visés par la constitution de cette documentation, les moyens mis en œuvre pour réaliser ces dessins, il y avait une volonté de transmettre des connaissances, de l'information, des savoirs, mais il y avait aussi, ce qui pouvait expliquer certains choix, certaines stratégies esthétiques, une connaissance pour d'éventuels acheteurs. Et donc il y a une ouverture, ça ouvre aussi un pan vers une histoire économique et sociale qui d'ailleurs est bien présente dans le fameux livre de André Milanese sur l'exportation des vases, et qui demande à connaître toute la législation, l'appareil juridique qui limite ou facilite la circulation des objets. Alors, une des pistes de réflexion aussi qu'on pourrait creuser, c'est celle des avantages de la normalisation d'une documentation et des limites. Bon, ben, c'est ce qu'a posé, c'est la question qu'a posé Ludy, évidemment, en mettant l'accent sur un instrument de diffusion qui a ses limites et qui peut-être nous demande à imaginer d'autres vecteurs. Et finalement, on se rend compte quand le regard que nous portons sur l'histoire, sur le passé, n'est pas un regard seulement réflexif et limité au passé, il est aussi une proposition pour le futur. Donc, en demandant à ce qu'on réfléchisse à de nouveaux outils, effectivement, collectivement, en prenant acte des acquis de l'histoire, nous pouvons réfléchir ensemble à de nouveaux outils et renseigner par tous les problèmes posés par ce qu'est la documentation archéologique. Voilà, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Claude, parce que je crois que en fait, ces trois jours et toutes les communications nous permettent aussi, donc du point de vue des perspectives, à avoir aussi une interrogation sur notre discipline finalement et sur la diffusion et les différents publics auxquels on veut s'adresser. Et je crois que on est tous ici à vouloir garantir la qualité de la diffusion, quel que soit le public. Et on l'a vu sur le long terme, cette qualité de la diffusion peut varier parfois, et c'est ce que tu disais, cette histoire économique et sociale. Mais je pense que ça peut être vraiment un moteur, hein, c'est cette histoire du dessin finalement, cette histoire de la documentation, à reposer aussi des questions sur notre discipline, pas seulement en tant qu'archéologue, en tant que céramologue, en tant qu'historien de l'art, à comment est-ce qu'on peut aussi s'adresser aujourd'hui, quels sont les outils qu'on peut mettre en place. J'ai vraiment beaucoup réfléchi par rapport notamment à la communication de François et puis celle de Ludy, où on voit bien comment, dans les manuels, comment on change cet usage de la documentation sans nécessairement un esprit critique, parce qu'on veut faire une sorte de manuel qui s'adresse, qui simplifie les choses. Et c'est des questions qu'on doit continuer à se poser, parce que ces questions, elles se posent encore aujourd'hui quand on feuillette certains manuels
textuelle et quand on regarde l'usage documentaire qui est fait parfois des sources, qu'elles soient iconographiques ou des sources matérielles. Et ça, c'est vraiment une réflexion, puisqu'on est tous quand même ici des spécialistes d'une culture matérielle et de l'image. Et avoir cette réflexion par rapport au statut de ces sources, je ne dis pas ni pour le légitimer ni pour le justifier, mais en tout cas pour l'étudier et avoir une réflexion que ce soit... pas nécessairement par rapport... Il faut avoir une réflexion, évidemment, aussi par rapport au CVA et qu'est-ce que les outils modernes, comme la digitalisation, etc., peuvent aider pour ouvrir peut-être un peu plus les critères qu'on met dans un corpus. Mais je crois que c'est vraiment une réflexion beaucoup plus générale. Alors, par rapport aux pistes aussi qu'on pourrait imaginer à développer, moi, je pense que ce qui est très intéressant, on en a un peu parlé, mais c'est aussi tout le rôle du dessin dans les arts décoratifs. Et comme tu l'as dit, on se rend de plus en plus compte que, sans doute, une des sources premières pour les arts décoratifs, ce n'est pas nécessairement toujours les objets, mais c'est surtout les dessins. C'est parce qu'ils circulent beaucoup plus facilement, parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles, et voir en fait à travers ces filtres-là aussi l'histoire peut-être du design, des arts décoratifs, du goût, donc à partir vraiment d'une histoire du dessin. Et ça, c'est, je pense, aussi un élément important qui mériterait à être plus développé. Je ne sais pas si... Alors, j'ajoute encore deux points sur lesquels... nous avons discuté, qui ont attiré notre attention. Pour revenir aux acteurs, aux agents, comme disait Athéna, c'est le rapport entre ces agents, selon les périodes de l'histoire, selon les milieux, et selon leur discipline. Donc, selon les périodes de l'histoire, eh bien, on a vu comment, quand les dessinateurs sont engagés par les institutions, ils sont tenus de se plier au discours, à la méthode institutionnelle. On l'a bien vu avec Gatti dans la communication de Susanna et de Lucrezia. Donc la personnalité du dessinateur n'est pas censée s'exprimer, et ça, c'est une question intéressante. Le rapport entre disciplines, c'est-à-dire entre le dessinateur ou plutôt la confrontation entre les savoirs du dessinateur et archéologue et du dessinateur architecte, ce seront peut-être deux regards différents portés sur l'objet antique, et on le voit, ce sont des problématiques encore très actuelles, hein. Quand on travaille avec des architectes, quand on travaille avec des céramologues, quand on travaille avec des dessinateurs, moi j'ai eu le sentiment pendant toutes ces journées d'être ça m'a rappelé mon quotidien pendant 10 ans, ça c'est évident. Et puis, à propos de ces rapports entre... on a dit, et Martine l'avait souligné, non seulement les dessinateurs archéologues, mais dessinateurs conservateurs. Donc, selon les moments de l'histoire, effectivement, la marge de manœuvre du dessinateur et son style et son travail va avoir une réalisation vraiment tout à fait différente selon le cadre dans lequel il se trouve, par qui il est payé, pour qui il travaille, comment il travaille, et le temps qu'on lui donne, qu'on lui accorde. J'avais une deuxième idée que je voulais développer. Alors, si, bien sûr. Ça se voit aussi, comme je disais au départ, on assiste à la naissance d'un métier ou à la structuration d'un métier et d'une profession. Et notamment, ça se voit, on l'a vu à travers la question des signatures. Le statut du dessinateur, c'est son style ou pas, c'est aussi sa signature. Mais sa signature, ce n'est pas seulement la revendication d'une personnalité, c'est la revendication d'un métier, d'un statut. Et dans le cas de la communication de Giuseppina Gadaletta, on a vu que dans l'angle d'un dessin il y avait un cratère, un vase représenté en petit avec des outils de mesure, on se rend compte que peut-être derrière il y a la volonté de mettre en évidence les savoirs et inscrire la pratique du dessin dans une pratique scientifique, et ça se fait pas simplement à travers des textes écrits mais à travers des symboles, des images, et ça peut apparaître à travers les attributs du dessinateur dans une signature. Donc il y a la signature elle-même, il y a la manière de signer, et ça c'est aussi un aspect intéressant, parce qu'on recherche, ça a été évoqué dans plusieurs communications, excusez-moi si on n'arrive pas à citer tout le monde, parce qu'on a un petit peu... Justement, ce qui était bien, c'était les aspects transversaux aussi, et la convergence des problématiques. Donc ça, ce sera un élément à prendre en considération.
Parce que le statut du dessinateur, on le voit évoluer, et on le voit évoluer, comme tu dis, également par la suite, c'est-à-dire à partir de la fin du 19e et dans la première moitié du 20e, où on a des catalogues comme le catalogue du Metropolitan, celui de Boston, etc., où on va véritablement citer les dessinateurs en introduction. Et exactement en disant, voilà, c'est des dessins de qualité excellente, etc. Donc il y a une forme de visibilité, alors qui existe déjà avant, à partir des signatures, etc., mais qui après presque s'institutionnalise à un moment, et dans certains cas bien précis, où on cite et on sait que certains très bons dessinateurs sont associés avec certains scientifiques, mais des achats dès le 19e, et puis par la suite, on peut penser à des associations qu'on connaît, notamment entre, par exemple, Bisley, Anderson et des gens comme ça. Donc il y a une forme de visibilité croissante du dessinateur dans la science. Voilà. Donc c'est important, effectivement, de se pencher sur ces figures. C'est ce que disait Christian Mazet, par exemple, avec Perla et Brogiotti, et sur ces mentions de signature. Ça, et encore une fois, ça nous renvoie à d'autres actualités. Hein. Comment on mentionne le nom des dessinateurs ou pas, des dessins qu'on utilise tout le temps pour nos travaux. C'est important. Voilà. Je pense que... Non, tu vois. On a fait le... Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais. On s'arrête là et puis... Ça me semble tout à fait complet. Vous avez vraiment très bien rendu compte de ces trois journées. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on vous remercie. L'organisatrice vous remercie beaucoup. Ah oui, nous remercions les organisateurs. Et donc, pour conclure, évidemment, je crois que des actes seront très attendus. Hein, et donc, nous allons commencer à y travailler. Nous réfléchissons déjà à la manière de le faire. Donc, nous reviendrons vers l'ensemble des intervenants quand les idées seront plus claires en fonction des... Pour préciser les normes et la manière dont tout cela sera fait assez rapidement, je pense, d'ici la fin de l'année. Voilà. Tu veux... Non, mais nous reviendrons vers vous pour vous, avec des nouvelles à la fin de l'année, pour des textes, je ne sais pas, vers juin, quelque chose comme ça. Oui, non, mais je me joins à Natacha. Merci pour cette belle conclusion qui, je crois, a bien repris l'ensemble du colloque. Et c'est vrai que je me souviens que quand on a organisé ce colloque, on était encore plus dans la pandémie, on ne savait pas du tout si on allait pouvoir le faire en vrai. Et on s'était dit un peu, bon, on va faire comme si, mais j'avoue qu'à un moment, on n'y croyait pas tellement. Et donc, on est vraiment très heureux d'avoir pu se réunir. Et je crois qu'on a vu avec la densité et la qualité des discussions, des questions autour des interventions, qu'évidemment, c'est tout l'intérêt de ces rencontres, c'est aussi de se voir en vrai et de pouvoir échanger. Et donc, on est très heureux avec vous d'avoir pu reprendre ces rencontres scientifiques. Donc voilà, merci. Merci à vous. Merci.